Infrastructure ultramoderne construite en 12 mois par des techniciens nord-coréens et congolais au CQ115 Mawata, CQ que dirige Albert Lubela. Le complexe scolaire Sainte-Émilienne des Tabas est un édifice de trois niveaux dont les caractéristiques sont présentées par l'ingénieur Igor César Mangonza. 27 salles de classe climatisées avec une capacité de 50 élèves chacune, 10 bureaux avec toilettes primitives, une bibliothèque, une salle de professeurs, une salle des ordinateurs, une salle des archives, deux cantines, des toilettes publiques, une guérite pour la sécurité, quatre boutiques, deux cages d'escalier. Suivant la technologie déroulée, cet ouvrage magnifique a été construit en 12 mois. Révélant l'ambition de son école, le directeur des études a précisé que notre ambition est de devenir une école d'excellence et de référence qui permettra à l'élève congolais d'acquérir une formation de qualité pour une élite des générations futures. C'est pourquoi notre stratégie d'enseignement combine deux traits structurels majeurs. D'abord, un enseignement de base qui vise à dispenser la formation peu ambitieuse en termes de maîtrise des savoirs abstraits, mais riche d'informations sur la vie pratique largement ouverte au milieu local et dont l'objectif est de préparer l'apprenant à prendre place dans son environnement proche. Il a par la suite rassuré les parents d'élèves sur les attentes pédagogiques que ce nouveau cadre du savoir va offrir aux élèves de ce. À vous, chers collègues enseignants, retenus au titre de l'année scolaire 2021-2022, vous êtes vous-même témoin oculaire du sérieux qui a été fait au niveau de cet établissement. Je vous exhorte à rendre l'ascenseur à partir de votre savoir-faire, savoir-faire-faire, savoir-être. En un mot, à partir de votre expertise pour qu'à la fin de la formation, nous ayons des élèves avec des têtes bien faites et non pleines. Quant à la directrice générale de cette école, Naza El Fatehi, elle a souhaité la bienvenue à tous au complexe scolaire Sainte-Émilienne des Tabas avant de procéder à la coupure du ruban symbolique et à la visite guidée des salles de classe.